Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui est venu pour se donner à Christ? Is there anyone in the hall who came to give himself to Jesus? Si c'est toi, lève la main. If that's your case, raise your hand. Quand tu venais, when you were coming, tu te disais il faut que je donne ma vie à Jésus. You were telling yourself I need to give my life to Jesus. Wait. Lève la main. Raise your hand. Vous voyez, viens. Come, please. Oui, venez tous. Yes, all of you should come. On va d'abord prier pour vous avant de continuer. First of all, we'll pray for you before we move on. Jésus de Nazareth. Si tu ne te convertis pas, if you don't get converted, si tu ne deviens pas simple comme un petit enfant, what this little child just did, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. You will not get into the kingdom of heaven. C'est Jésus qui l'a dit. Like this child. It's Jesus who said it. Une petite fille vient de nous montrer la simplicité de l'amour. A little child just showed us the simplicity of love. Voyez. Vous voyez? You see? C'est méprisable, mais c'est le ciel a vu. It can be despised, but heaven has seen it. Toi, tu attends quand tu auras un milliard. You are waiting for when you'd have a billion. Et que sur le chemin, il n'y ait aucun individu, aucun animal, aucun morceau de bois. And that on your way while coming, there should be no individual, no animal, and no piece of wood. Si tu rencontres quelqu'un, tu dis non, il n'y avait pas le chemin. If you just meet someone, you say no, the way was blocked. Elle a trouvé la route. She found her way. Hallelujah. Hallelujah. Alléluia. Tenez-vous là. Please stand here. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? On is there anyone else? Peut-être que tu as rétrogradé. Maybe you are a backslider. Et tu veux revenir. Reviens. If you are a backslider, you can come back. A clap offering to Jesus Christ. Levez les mains, on va vous bénir. Bénissons-les. Let's bless them, please. L'église va prier pour vous. The church will pray for you. Vous demandez pardon à Dieu. You only have to ask God to forgive. Vous demandez pardon. Ask God to forgive you. Ce que j'ai fait en parole, en pensée, en action. What I've done, Dieu, pardonne-moi. What I've done in words, in thoughts and in deeds, oh God, forgive me. Les mensonges. Lies. Les critiques, les adultères. Criticisms, adulteries. L'impudicité. Fornication, les masturbations, masturbation, tout ce qui est mauvais, all that is evil, que tu as commis, that you've committed, plaide que Dieu te pardonne, plead that God should forgive you. Bénissons-les. Let's bless them. Dis Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés. Forgive all my sins. J'ai péché en parole, en pensée, en action. I've sinned in thoughts, in words, and in deeds. Je te donne ma vie, je te donne ma vie, je te donne ma vie. I give you my life, I give you my life, I give you my life. Je te donne ma vie, je te donne ma vie, je te donne ma vie. I give you my life, I give you my life, I give you my life. Oh Seigneur. Oh Lord. Accepte-moi. Accept me. Écris mon nom dans ton livre de vie. Write my name in your book of life. Pose les mains sur ta tête. Dis Seigneur. Lay your hands on your head and say Lord. Guéris-moi de toutes les maladies. Heal me of every sickness. Guéris-moi de toute maladie. Heal me of every sickness. Que les chaînes soient brisées, que les chaînes d'esclavage soient brisées. May the chains of slavery be broken. Que je te serve tous les jours. That I will serve you every day. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Où sont les pasteurs? Where are the pastors, please? Allez prendre les premiers conseils, vous revenez, vous avez 5 minutes. You have 5 minutes. Trois personnes disent merci et on continue. Let three vous avez 5 minutes rapidement, vous revenez. Let three people thank the Lord and then we'll continue.
Père, nous te disons merci pour ces cœurs qui se sont ouverts pour recevoir ton appel et venir à toi. Nous te disons merci parce que tu les fais entrer dans la bergerie. Au nom de Jésus-Christ, amen. Seigneur, nous te disons merci pour cette grâce que tu accordes à ces frères d'être sauvés et de revenir à toi. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. La formation des disciples. The making of disciples. Il y a une vérité fondamentale qu'il faut retenir dès le début. There is a fundamental truth that needs to be remembered right from the beginning. On ne bâtit pas tout le monde. It is not everyone who is built up. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? On ne bâtit pas tout le monde. It is not everyone that we build up. On bâtit les disciples. We build disciples. Pour qu'ils deviennent des disciples mûrs. For them to become mature disciples. Pourquoi? Why? Dès la nouvelle naissance. From the new birth. On sort du sein spirituel étant disciple. We come from the spiritual womb already being a disciple. Le type de message qu'on te prêche. The kind of message that is preached to you. La personne qui t'apporte la parole pour la première fois. The person who brings the word to you for the first time. Ou alors, on t'a prêché plusieurs fois, mais la personne qui te conduit à Christ, la personne qui réussit à te donner Jésus. Or you have been preached the gospel many times, but the person who succeeds to bring you to Christ doit être quelqu'un qui connaît Jésus. Must be one who knows Jesus. Qui est né de nouveau. Who is born again. Qui t'apporte la parole par la puissance du Saint-Esprit. Who brings you the word by the power of the Holy Spirit. Si un homme, si quelqu'un ne naît pas étant un être humain, il ne peut pas vivre. If someone is born not being a human being, he cannot live. Il faut qu'un disciple sorte du sein maternel. The disciple must qu'il soit engendré par l'évangile étant disciple. The disciple must be born through the gospel being a disciple. On accouche les disciples à travers une prédication authentique de l'évangile. Disciples are born through a genuine preaching of the gospel. L'évangile du Plakali ne peut pas accoucher un disciple. The Plakali gospel cannot give birth to a disciple. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Ce qui est esprit, ce qui est né de l'esprit est esprit, ce qui est né de la chair est chair. Flesh gives birth to flesh. The spirit gives birth to the spirit. La chair ne peut pas accoucher un homme spirituel. The flesh cannot give birth to a spiritual man. La chair va accoucher la chair. The flesh will give birth to the flesh. C'est pour cette raison qu'il faut faire attention. That is why we must be careful. Même dans une réunion d'enseignement comme celle-ci. Even in a teaching meeting like this one, tu seras ce que la parole va devenir en toi. You will be what the word will become in you. Si tu jettes la parole par terre, if you throw the word to the ground, toi-même tu seras comme la poussière. You yourself will be like dust. Si tu écoutes attentivement la parole, if you listen to the word attentively, si la parole pénètre en toi, if the word penetrates into you, elle va accoucher un enfant spirituel. It will give birth to a spiritual child. Deux personnes prient en une phrase. In one sentence each. Seigneur, nous te rendons grâce. Et nous plaidons, Seigneur, que tu donnes à chacun le type de cœur, le type d'écoute, le type de concentration à ta parole, afin que la vraie naissance soit produite au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, tu es en train de nous dire, pour qu'il y ait des disciples, il y a un type de message qu'il faut. Et pour l'avoir, il faut que tu sois disciple, Seigneur. Nous prions que tu nous amènes à ce niveau pour avoir ce type de message que nous allons libérer pour accoucher les disciples. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous notez ceci. Write this down. Dieu nous a baptisés dans le même esprit. God has baptized us into the same spirit.
Dieu nous a baptisés dans le même esprit. God has baptized us into the same spirit. Dieu nous a abreuvés par le même esprit. He has given us the same spirit to drink. C'est-à-dire que l'esprit, le même esprit nous enveloppe et le même esprit nous remplit. It means that the same spirit covers us and the same spirit fills us. Nous avons donc une même nature divine. We therefore have the same divine nature. Quand tu, si tu es un enfant de Dieu, if you are a child of God, et que je suis un enfant de Dieu, and I am a child of God, nous sommes identiques, nous nous ressemblons. We are identical, we look alike. Le même esprit nous habite. The same spirit dwells in us. Et le même esprit nous revêt. And the same spirit clothes us. Vous notez ceci. Write this down. Jésus a dit à Nicodème, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jesus told Nicodemus, except a man is born again, he cannot enter the kingdom of God. Car ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. For flesh gives birth to flesh, and the spirit gives birth to spirit. On ne peut pas bâtir une personne qui n'est pas née de nouveau. We cannot build up someone who is not born again. Écoutez très bien. On naît de nouveau étant disciple. We are born again being a disciple. On bâtit les disciples. We build disciples. On ne bâtit pas les païens. We don't build up pagans. On bâtit les disciples. We build disciples. Quelqu'un qui discute et on lui dit tu vis dans le concubinage, il raisonne. On ne peut pas le bâtir. Son seul message, c'est laisse le concubinage, laisse le concubinage. On ne peut pas avancer. On ne doit même pas avancer. Someone who is cohabiting and who is arguing that he does not want to live that life, you cannot build up that person. The only message for that person should be leave concubinage, leave concubinage. On ne doit pas lui dire, nous allons t'enseigner comment on médite la parole de Dieu. You cannot tell him, we are going to teach you how we meditate on the word of God. Ou comment on prend des retraites pour aller étudier la Bible. Or how we take retreats to go and study the Bible. Il est encore dans les entrailles, il doit sortir. He's still in the womb, he needs to come out. On prêche le même message. We preach the same message to him. Donne ta vie à Jésus. Give your life to Jesus. Même pendant 10 ans. Even if it takes 10 years. Le jour où tu donnes la vie à Jésus, the day on which you give your life to Jesus, tu es un enfant de Dieu. You are a child of God. Et on peut te bâtir. From then, you can be built up. Une femme peut être enceinte. A woman can be pregnant. L'enfant monte la tête et il ramène. On dit, il va sortir, après il rentre. The child sends his head like he wants to come out, then he takes it back in. They say, oh, he wants to come out, and then he goes back in. Le travail peut durer 3 mois. That labor can take 3 months. On peut décider de faire la césarienne comme on peut décider d'attendre. You can decide to do a cesarean section or we can decide to wait. Mais quand on compte dès qu'il sort du sein maternel. But we count from the moment that child comes out from the mother's womb. On ne dit pas il est né les premiers, les deux, les trois, les quatre, les cinq, les six, les sept, les huit, les neuf janvier. We don't say he was born on the first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth of January. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? La parole de Dieu dit, the word of God says, ce que tu as appris de moi en présence d'un grand nombre de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient aussi capables de le confier à d'autres ou alors de l'enseigner à d'autres. The word of God says, that which you have learned from me in the presence of many witnesses, make sure that you entrust it to faithful men who in their turn will be able to teach it to others. Quelqu'un qui est un pied à l'église catholique, l'autre à l'église adventiste, l'autre à l'église protestante, et te dit bâtis-moi. Tu vas bâtir comment? Somebody who has one leg in the Catholic church, the other one in the Adventist church, the other one in the Protestant church, and he says, build me. How will you build such a person? On ne bâtit pas les orphelins d'autrui. You don't build orphans of others. Les gens qui te sont fidèles. People who are faithful to you. Que tu vois. That you see. Que tu touches. That you can touch.
C'est à cela que tu déverses la connaissance que Dieu t'a donnée. It is on those ones that you pour the knowledge that God has given to you. C'est en eux que tu investis. It is in them that you invest. Même s'il faut que tu te prives du sommeil, il faut les bâtir. Even if you have to deprive yourself of sleep, you should build them up. Et beaucoup viennent aux enseignements, vous perdez le temps de Dieu et votre temps. Many people come for the teaching meeting, but don't waste, you are wasting God's time and you are wasting your own time. Parce que dans la formation des disciples, il y a deux dimensions. Because in the making of disciples, there are two dimensions. Il y a la dimension de l'édification. There is the edification dimension. On te donne des enseignements pour que tu deviennes mûr en Christ. Where you are given teaching for you to become mature in Christ. Il y a la dimension de l'encadrement technique. There et is ou pratique. There is the dimension of practical and technical guidance. Qui consiste à faire de toi un dirigeant qui sait faire des choses. Which consists in making you a leader who knows how to qui do things. Qui possède un savoir-faire spirituel. Who possesses some spiritual know-how. Ce sont ces deux dimensions-là qu'on appelle bâtir un disciple ou former un disciple. Those are the two dimensions that we talk about when we say building up a disciple. Le but étant de t'établir dans le ministère comme un dirigeant, un responsable spirituel. And the goal of this is to establish you in the ministry as a spiritual leader. De telle sorte que quand tu n'es pas du ministère et tu veux qu'on te baptise, tu ressembles à un escroc, à un bandit. In such a way that if you are not in the ministry and you want to be built up, you look like a crook, like a robber. Tu dois venir te donner. You must come and give yourself. Tu dois manifester ta fidélité. Tu dois témoigner de ta fidélité. You must testify of your faithfulness. Tu dois prouver à ceux qui te regardent que tu es sérieux, que tu es fidèle. You must prove to those who are looking at you, who are watching you, that you are faithful and that you are true. Parce que quand on va te bâtir, because when you will be built, on va t'établir sur les hommes. You will be established over men. Si tu es un bandit, if you are a robber, tu as fait du mal. You have done evil. Tu as caché ta vraie personne. You have hidden your true personality. Parce que tu voulais qu'on te confie des responsabilités. Because you wanted that responsibility should be entrusted to you. Un bon faiseur de disciples. A good disciple maker a la capacité de te bâtir jusqu'à ce que tu deviennes un ministre de Dieu. Has the capacity to build you up until you become a minister of God. Un bon faiseur de disciples. A good disciple maker est ton père. Is your father. Tout ce qu'il fait t'appartient. All that he does belongs to you. Donc, il ne faut pas être rusé auprès de lui. So you should not be cunning around him. Tu ne peux pas résider à la Mecque et puis tu as une assemblée à jamais. You cannot reside in Mecca and then you have an assembly in Ajame. Tu dois être vrai, fidèle, authentiquement. You must be true, faithful and genuine. Vous savez, you know, quand vous êtes dans une œuvre qui s'efforce à pratiquer la vérité, when you are in a work that is striving to practice the truth, vous ne gagnez rien en tentant de tricher. You gain nothing by struggling to cheat. Parce que vous aurez pour adversaire le Seigneur de lumière lui-même. Because your adversary will be the Lord of light himself. C'est lui-là même qui a dit à Paul, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? The one who said to Paul, Saul, Saul, why do you persecute me? Il n'a pas dit pourquoi tu persécutes mes enfants. Il dit pourquoi tu me persécutes? He did not say why do you persecute my children. He said why do you persecute me? Même si tu faisais le banditisme, arrête. Là où tu es là maintenant, arrête. Even if you used to practice banditry, stop it right now. Apprends à être vrai. Learn to be true. Tu marches comme un homme brisé. Sois véritablement brisé. If you walk like a broken man, be truly broken. Si tu es le loup et tu marches comme ça. If you are a wolf and then you walk like this, tu ne vas pas rencontrer un homme. You will not
tu vas rencontrer Jésus de Nazareth. You will not meet a man, you will not confront a man, you confront Jesus of Nazareth. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Si tu veux qu'on te bâtisse comme disciple, if you want to be built up as a disciple, renonce à toi-même. Deny yourself. Et inscris-toi à l'école. And register yourself. Inscris-toi à cette école-là. Register yourself in this school. Tu seras béni. And you'll be blessed. Le professeur nous a dit, but as I told us, méfiez-vous des orphelins. That watch out. Des orphelins spirituels. On spiritual orphans. Il y a des gens, ils sont assis là, et ils voient leurs anciennes dénominations. Ils veulent qu'on change, qu'on pratique les mêmes choses comme là-bas. Alors, Dieu t'a envoyé faire quoi? There are people who sit and they still dream about their old denominations. They want things to be done here as it was done there. So why did God send you here? Quand Dieu t'a envoyé, when God sent you, qu'est-ce qu'il veut que tu vois? What does he want you to see? C'est ça qui doit être ta préoccupation. That is what must preoccupy you. Pourquoi Dieu m'a-t-il fait arriver ici? Why did God bring me here? Qu'est-ce qu'il veut que j'entende? Qu'est-ce qu'il veut que j'apprenne? What does he want me to hear? What does he want me to learn? Dans Actes des Apôtres, chapitre 10. In Acts of the Apostles, chapter 10. À partir du verset 1. From verse 1. Jusqu'au chapitre 11. Till chapter 11. Je veux résumer. I would summarize. Dieu a dit à Corneille. God told Cornelius. J'ai vu tes aumônes. I've seen your alms. J'ai vu tes prières. I've seen your prayers. Tu crains Dieu. You fear God. Avec toute ta famille. With your whole family. Je t'ai exaucé. I have answered you. Suivez ça très bien. Listen attentively. Tu jeûnes. You fast. Tu pries. You pray. Tu donnes. You give. J'ai agréé, j'ai accepté. I have accepted it. Mais, but, si tu veux être sauvé, if you want to be saved, envoie les gens t'appeler un homme qui s'appelle Simon Pierre. Send people to call for you a man called Simon Peter. Écoutez très bien. Dieu lui dit, God told him, les prières que tu as élevées, je les ai exaucées. The prayers that you've raised up, I've answered. J'ai vu tes jeûnes. I have seen your fast. J'ai vu ta crainte et la crainte de ta famille. I've seen the fear that you have and the fear that your family has. Et la crainte que je vous inspire, moi, l'Éternel. And the fear that I, the Lord, inspires in you. Dieu voulait lui dire, mais tu n'es pas encore sauvé. God wanted to tell him, you are not yet saved. Si tu veux être sauvé, if you want to be saved, envoie quelqu'un appeler l'apôtre Pierre. Send someone to call for the apostle Peter. Il te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé. He will tell you the things by which you will be saved. Et le Seigneur est en train de délivrer quelqu'un. The Lord is delivering someone. Donc il faut que j'insiste sur cette vérité là. So we have to insist on this truth. Écoutez, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. There was a certain man in Caesarea called Cornelius, a centurion of what was called the Italian regiment, a devout man and one who feared God with all his household. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et il priait Dieu continuellement. Who gave alms generously to the people and pray to God always. Écoutez. Listen. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. About the 9th hour of the day, he saw clearly in a vision an angel of God coming in and saying to him, Cornelius. Les regards fixés sur lui et saisis de froid, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. And when he observed him, and he was afraid and said, what is it, Lord? So he said to him, your prayers and your alms have come up for a memorial before God.
Écoutez très bien. Listen. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Now send men to Joppa and send for Simon whose surname is Peter. Il est logé chez un certain Simon Coréeur dont la maison est près de la mer. He is lodging with Simon a tanner whose house is by the sea. Chapitre 11. Chapter 11. Verset 13. Verse 13. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant, envoie à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. And he told us how he had seen an angel standing in his house and said to him, send men to Joppa and call for Simon, whose surname is Peter. We will tell you words by which you and all your household will be saved. Il te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé. He will tell you things by which you will be saved. Beaucoup de personnes sont dans l'état de Corneille avant son salut. Many people are in the state of Cornelius before his salvation. Si c'était dans nos églises, if it were in our churches, cet homme serait un ancien, un diacre. This man would have been an elder or a deacon. Mais Jésus, lui, ne voit pas les choses dans cette dimension-là. But Jesus does not see things in that light. Jésus veut le salut des hommes. Jesus wants the salvation of men. Il y a une sœur. There's a sister. Elle a cru, elle a fait la vraie repentance. On a baptisé, on a brisé les liens. She believed and she carried out true repentance and we broke her ties. Elle est sortie de la dénomination où elle allait avec son mari. She left the denomination where she used to go with her husband. Quand les responsables l'ont appris, quand ils ont appris qu'il s'est repenti, on a baptisé, on a brisé les liens, ils ont nommé le mari président de la jeunesse. When the leaders of that church heard that she had repented and that we had broken her ties, the leaders of that church appointed her husband as the youth leader. Vous voyez la ruse. You see that kind of cunning. Ils se sont dit, bientôt, il va aussi aller chercher la repentance, le baptême et la délivrance. Donc, nommons-le président de la jeunesse. So they told themselves that he too would soon go to seek repentance and the breaking of evil ties. So let us appoint him as a youth leader. Tu peux être président de la jeunesse. You can be the chairman of the youths. Tu fais des aumônes. You give alms. Tu fais le chemin de la croix. Tu pries. Tu tournes le chapelet. And you do the way of the cross. Tu lis les psaumes. You pray and you use the rosary. Read psalms. Mais Dieu te dit. But God is telling you. Envoie quelqu'un. Send someone. Appeler Simon Pierre. To call for Simon Peter. Il va te dire les choses par lesquelles un homme doit être sauvé. He will tell you the things through which a man can be saved. Et quand Pierre est venu, and when Peter came, il leur a posé la question. He asked them, pourquoi m'avez-vous fait venir? Why did you call for me? Ils ont expliqué, Cornelius a expliqué ce que je venais de lire. Cornelius then explained what we just read. Pierre a compris qu'il leur faut Jésus de Nazareth. Peter understood that they needed Jesus of Nazareth. Et il a bombardé. And then he bombarded. Lire à partir du verset 31. Acte 10. Acte chapitre 10. Acte chapitre 10. J'ai choisi les versets qui nous permettent d'avancer vite. Corneille, ta prière a été exaucée. Et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, corroyeur. Verset 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Verset 37. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth
qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué. Killed him. En le pendant au bois. By hanging him on a tree. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné. And Jesus has commanded us de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu juge des vivants. De prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts. To preach to the people and to testify that it is he who was ordained by God to be judge of the living and the dead. Verset 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Corneille n'avait jamais entendu ça. To him the prophets testify that all who believe Dieu voulait que Corneille entende cet évangile. God wanted that Corneille should hear that gospel. Quand Dieu te fait venir dans un milieu comme celui-ci, when God brings you to an environment like this one, il veut te parler. He wants to speak to il you. Veut briser le joug de la religion. He wants to break the yoke of religion. Tous les prophètes, all the prophets, rende témoignage, bear witness, que si quelqu'un croit en Jésus, that if someone believes in Dieu Jesus, pardonne tous ses péchés. God forgives all his sins. Tous les prophètes parlent de Jésus. All the prophets speak of Jesus. Et Corneille était là avec ses jeûnes sans Jésus, ses prières sans Jésus. And Cornelius was there with his fasting, his prayer without Jesus. Ce passage n'a rien contre la prière et le jeûne. This passage has nothing against prayer and fasting. Ce passage est contre ceux qui tentent de servir Dieu en jeûnant et priant sans Jésus de Nazareth. This passage is against those who try to serve God by praying and fasting without Jesus of Nazareth. Bien évidemment, si tu as le vrai Jésus, tu vas prier, tu vas jeûner, tu seras saint. And if you are with Jesus, you pray and you fast and you'll be holy. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Corneille n'avait jamais entendu ça. Cornelius had never heard this. Il y a des paroles que tu n'as jamais entendues. There are words that you've never heard. Mais qui sont essentielles. But which are essential. Qui doivent t'ouvrir la porte du ciel. Which must open the door of heaven to you. Il y a un évangile. There is gospel. Que tous les pécheurs doivent entendre. That all sinners must hear. Tant que tu n'as pas entendu cet évangile-là. But you have not heard that gospel. Tout ce que tu fais pour Dieu est comme ce que Corneille faisait pour Dieu. All that you are doing for God is like what Cornelius was doing for God. Dieu n'a rien contre toi. God has nothing against you. Mais il sait que tu n'es pas sauvé. But he knows that you're not safe. Et il crée les conditions pour que tu sois sauvé. And he creates the circumstances for you to be saved. Il va même jusqu'à envoyer l'ange dire à Corneille ce qu'il doit faire pour être sauvé. He got to the level of sending an angel to Cornelius to tell him what to do to be saved. Une réunion comme celle-ci peut être organisé pour toi seul, toi seul. A meeting like this one could be organized just for you. Il y a des gens qui disent que tu, vous savez, tu peux vivre du 1er janvier au 31 décembre, mais il y a un jour du salut dedans. You can live from January to December, but there is a day of salvation in one of those days. Il faut seulement que tu connaisses ce que Jésus a appelé le jour de la visitation. Il faut que tu reconnaisses le jour où Dieu s'approche de toi. You must acknowledge what Jesus called the day of visitation. You should know the day on which God draws near to you. Hallelujah. Hallelujah. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. To him all the prophets bear witness that through his name, whoever believes in him will receive remission of sins. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. While Peter was still speaking these words, the Holy Spirit fell upon those who heard the word. Quand
Pierre a prononcé cette partie de son message. When Peter proclaimed this part of his message, et que c'est entré dans la tête et dans le cœur de Corneille, sa famille et ses amis intimes. And it got into the mind and the heart of Cornelius, his family and his intimate friends. Dieu a mis le cachet à la prédication. God put his stamp on that message. En remplaçant tout le monde du Saint-Esprit. By filling everyone with the Holy Spirit. Jésus de Nazareth. Jesus of Nazareth. Il faut le connaître. You must know him. Il faut le connaître. You must know him. Corneille n'était pas sauvé. Cornelius was not saved. On n'est pas sauvé parce qu'on va à l'église. We are not saved because we go to church. On demande à quelqu'un, tu es sauvé, dit je vais à l'église. We might ask someone, are you saved? He says, yeah, I go to church. On demande à quelqu'un, tu es sauvé, dit je prie beaucoup. You ask someone, are you saved? He says, I pray a lot. Non. No. Il te faut Jésus de Nazareth. You need Jesus of Nazareth. Tu dois croire en lui. You must believe in him. Tu dois croire en lui. You must believe in him. Et tu obtiendras le pardon des péchés. And you would obtain the forgiveness of sins. Bien entendu, quand tu es pardonné, when you are saved, ça veut dire que tu as demandé pardon et que tu t'es repenti. When you are forgiven, it means that you ask for forgiveness and then you repented. Sinon, tu deviens une autre espèce. If not, you become another species. Qui dit Jésus, Jésus? Who says Jesus, Jesus? Mais en vivant dans le péché. But living in sin. Et la parole de Dieu dit. And the word of God says. Jésus n'est pas ministre de péché. Jesus is not the minister of sin. Tu as cru. You've believed. Tes œuvres doivent être visibles. Your works must be visible. Les païens doivent voir ta nouvelle vie et glorifier Dieu. Unbelievers must see your new life and glorify God. Les païens doivent voir comment tu vis ta vie chrétienne et glorifier Dieu. Unbelievers must see how you live your Christian life and glorify God. Jésus a dit. Jesus said. Une ville qui est située sur une montagne ne peut pas être cachée. A city built on a hill cannot be hidden. Et il disait que vos œuvres soient donc visibles, que les gens voient vos œuvres et qu'ils glorifient votre Dieu, votre Père qui est aux cieux. Let your light so shine so that men will see your good works and glorify your Father in heaven. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Dès que, si tu es vraiment né de nouveau, if you are truly born again, il faut que le monde voit tes œuvres. The world must see your works. Si tu vivais dans l'adultère, if you used to live in adultery, il faut que les gens témoignent que cet homme qu'on voyait ici notamment ne vient plus. People must testify that that man that we used to see here at night no longer comes. Et quand on va vérifier, and when we verify, on va découvrir que tu es délivré, Jésus t'a sauvé. You will see that you have been delivered and Jesus has saved. Et les gens vont dire vraiment Jésus est fort hein, parce que celui-là ça a dépassé tout le monde. And people will say wow, Jesus is very powerful because his case was above everyone. Si tu buvais, tu tombais dans les rigoles. If you used to drink and fall into gutters. Il faut que les gens te rencontrent plus tard beau, propre ou belle, propre. People should meet you later on handsome and clean or beautiful and clean. Et ils vont dire Dieu est grand. And they will be able to say, oh, God is great. Il l'a sauvé. He has saved him. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? La formation des disciples, the making est of disciples, la solution, l'équation de Dieu pour que l'homme sauvé devienne mûr et parfait. It's God's solution for the saved believer to become mature and perfect. Et qu'il soit capable de servir Dieu. And become able to serve God. De faire sur les autres ce qu'on a fait sur lui. To do on others what was done on him. Beaucoup d'entre vous n'ont pas été bâtis. Many of you have not been built. Parce que celui qui devait te bâtir n'a pas fait sur toi ce qu'on a fait sur lui. Because the one who had to build you up did not do on you what was done on him. Il y a les fiançailles fleque de nos jours. Quelqu'un se fiançait le matin, rupture le soir. There are some shaky courtships. Nowadays, people get engaged in the morning and then they break up in the evening. L'Église a été obligée de créer un comité spécial pour former les fiancés. The church has now been obliged to create a marriage committee
to build up those who are engaged or those who are planning to get married. Quand nous autres, quand nous avons cru, when those of us believed, on te regarde comme ça, on dit, le mariage l'a oublié pendant 10 ans. They look at you and tell you that issue of marriage, forget it for the next 10 years. Pas de pitié. No pity. Un jour, je me suis assis, j'ai dit, je vais essayer de voir. J'étais en classe de seconde. J'ai dit, bon, je suis en seconde. I was in, après, je ferai la première. I was in form 5. I said, after that, I'll après, go to lower 6. Après, je fais la terminale. Then I'll go to upper 6. J'entre dans une école de formation. Then I go to a training school. 3 ans. 3 years. J'ai dit, ils ont raison, hein. And then I said, well, they are right. Et puis, j'oublie. Then I forgot. Quand tu raisonnes, toi-même, tu dis, mais ils ont raison. But when you think about it, you see that they are right. De nos jours, quelqu'un tremble là, vite. Après, on le libère. Et après 10 ans, il n'est pas encore marié. Nowadays, you see someone trembling there and shivering, and then they release the file, and 10 years later, tu étais pressé donc pour aller où? So you were in a haste. Where were you going to? Tu troubles les assemblées, tu murmures, tu te révoltes, on te libère, ça fait 10 ans. You brought disorder in the assemblies, you murmured, and then the fire was released, and après, then now it's 10 years. Après, tu dis, je veux rompre. And then you say, well, I want to break up. Ma fiancée ne me respecte pas. Elle va respecter comment? My fiancé does not respect you. 10 ans. How will she respect you? L'incapacité de te marier. 10 years. De rassembler la dot. 10 ans. You are unable to bring together the bride price. Tu dis, faut me respecter. You say, respect me. La Bible dit. Bible says. Que la femme soit soumise. That the woman should be submissive. Il y a un évangile qu'il faut prêcher. There is a gospel that we must preach. Et nous sommes en train de le prêcher. And we are preaching it. Tu es délivré au nom de Jésus. You are delivered in the name of Jesus. Quelqu'un là, il dit, quand je vois la bière, je n'ai pas la foi. Quelle force, quelle bière. Someone is there and he says, when I see beer, I don't have strength. What strength? What beer? À Timothée, il y avait un frère. In Timothée, there was a brother. Il a abandonné les péchés. He abandoned sins. Et il fumait toujours. But he was still smoking. Il se cache et fume. He will hide and smoke. Le soir, il va en brousse, il fume. In the evening, he will go to the bush and then smoke. Un jour, il est parti. One day he went avec son vélo. With his bike. Le vélo a ramassé les déchets humains. His bicycle gathered human feces. Il vient garer le vélo. Then he came and packed son the bicycle. Son fils dit, qu'est-ce qu'il sent comme ça? And then his son started asking, what is smelling? Et il découvre que ce sont les déchets. Il a pris le vélo, il est parti laver loyalement. Then he discovered that it was feces that was on the wheels of the bike. Then he took it as a lawyer jour, when I went and washed it. Il est encore reparti au même endroit. Another day he went again to the same place. Dès qu'il s'est, ça c'est lui qui parle, hein. Il s'est déshabillé. As soon as he took off his clothes, il voulait se soulager en fumant en même temps. He wanted to relieve himself while smoking. Les fourmis mayans sont venus. Those red ants came. Il est sorti de la brousse nue en s'habillant rapidement. He ran from the bush naked, trying to dress up. Il a dit, eh, la cigarette. Then he said, eh, cigarettes. À cause de la cigarette. Because of cigarettes. Il n'a pas jeté la cigarette, il a sa main, il dit, eh, la cigarette. He did not throw it. He held it in his hand and was saying, eh, cigarettes. Il dit, il a entendu une voix qui lui a dit, jette la cigarette. Then he said he heard a voice that told him, throw that cigarette. Et il l'a jeté, il n'a pas jeté loin, il l'a jeté. Then he threw juste devant lui. Une voix lui dit, la même voix lui dit, fais un pas en arrière. Il a fait un pas en arrière. The same voice told him, take a step back, and he took a step back. La même voix lui a dit, fais un autre pas. Il a fait un autre pas. The same voice told him, take another step behind. He took another step. La même voix lui dit, que la cigarette vienne te trouver là où tu es là. And the voice told him, let that cigarette come and meet you where you are. C'était la dernière fois. And that was the last time.
délivré. Was delivered. Dieu voulait lui montrer que l'homme a été bien créé. L'homme a été bien créé. God wanted to show him that man was well created. Dieu a doté l'homme des facultés que les animaux n'ont pas. God gave to man faculties that animals don't have. L'homme a ce qu'on appelle une volonté de puissance. Man has what we call a willpower. C'est-à-dire que ça ne se limite pas au désir, au vœu. Quand l'homme veut, il agit. It does not only end at the level of desiring or wishes. But when man wills, he acts. L'homme n'a pas une volonté passive. Man has a passive will. Quand l'homme te dit c'est assez, when a man tells you it's enough, ça veut dire qu'il est en train de tirer une conclusion. It means that he's drawing a conclusion. Donc quand Dieu lui demande de se repentir, Dieu sait très bien qu'il peut se repentir. So when God is asking man to repent, God knows that man can effectively repent. Ce frère n'a plus touché à la cigarette. That brother no longer touched cigarette. Et nous tenons ce témoignage de lui-même. And this testimony is from himself. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Que quelqu'un prie que Dieu nous donne la capacité de prêcher un évangile qui accouche les disciples. Let someone pray that God will grant us the grace to preach the gospel that births disciples. Attends, lis pour nous Jacques chapitre 1 verset 8. Read for us James chapter 1 verse 18. Verset 18. James chapter 1 verse 18. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Amen. He chose to give us birth through the word of truth, that we may be a kind of first fruits of all he created. Amen. 1 Corinthiens 4 verset 15. 1 Corinthiens chapter 4 verset 15. Car quand vous auriez 10 000 mètres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Amen. Even if you had 10,000 guardians in Christ, you do not have many fathers. For in Christ Jesus, I became your father through the gospel. Amen. Si tu prêches l'évangile à quelqu'un, if you preach the gospel to someone, et il donne la vie à Jésus authentiquement, and he genuinely gives his life to Jesus, c'est ton fils. That is your son. Engendré par l'évangile. Birthed by the gospel. On accouche les enfants en Christ par la prédication. We beget par la prédication de l'évangile. We beget children by the preaching of the gospel. L'évangile de Christ. The gospel of Christ. Vous savez que les autres ont aussi des prédicateurs. Means that the others also have preachers. Mais l'évangile de Jésus prêché par un homme ou une femme. But the gospel of Jesus preached by a man or a woman, engendre les enfants pour cet homme-là ou cette femme-là. Gives birth to children for that man or for that woman. Je peux dire au frère Pierre, tu es mon fils. I can tell brother Pierre, you are my son. Ce n'est pas une flatterie. It's not flattery. Ce n'est pas pour qu'il soit content. It's not for him. C'est ça qui est la vérité de l'évangile. That is the truth of the gospel. Mais sa santé spirituelle dépend de comment il est sorti du sein maternel. But his spiritual health depends on how he came out from the womb. Tu gagnes quelqu'un à Christ. You win someone to Christ. Qui est plein d'orgueil. Who is full of pride. Tu veux lui parler, dis que, attends, je vais te dire, quand tu veux me parler, tu m'appelles, tu me dis, tu me donnes une chaise, je m'assois. Moi, je n'aime pas quand on me prend comme ça. Tu sais. You want to speak to him, he tells you, when you want to speak to me, you should call me calmly, give me a chair to sit, and then you speak to me calmly. I don't like when you speak to me so harshly. Quand je m'énerve vraiment, pour me calmer, c'est difficile. Because when I get angry, to calm me down becomes very difficult. Est-ce qu'on me l'a
Rends un peu une partie de ton témoignage, comment tu étais dans la colère qui règne dans ta famille. Donc, supposons que je veux le discipliner. So let's suppose that I want to discipline him. Et il me dit, pasteur, écoute mon témoignage un peu, parle. Gloire à Dieu. Effectivement, dans la famille, la colère, je peux dire, était une principauté parce que je crois qu'on l'a renversée. Dans ma famille, la colère était une réalité. Quand j'étais encore au lycée, j'avais du mal à me maîtriser quand j'étais frustré. Je me souviens qu'une fois, mon meilleur ami, c'était mon meilleur ami du quartier, il s'appelle Sivès, il est maintenant infirmier. Il m'avait dit quelque chose et je m'étais tellement mis en colère que j'ai soulevé une brique et puis j'ai frappé sur sa bouche. Bon. Ok, ça va. Ouais. Si quelqu'un te dit... Il a perdu les deux dents. Si quelqu'un te dit, attention parce que... Alléluia. Que dans ma famille... Oui, c'est une manière de te dire que tu ne peux pas me bâtir. Mathieu, au sujet du genre d'évangile, j'aimerais rappeler une phrase que le frère Zach a prononcée que je n'ai jamais oubliée. Il dit, si tu rencontres un homme très riche, prêche-lui un évangile tellement dur qu'il lui soit presque impossible de croire. S'il croit, il comprendra que c'est à genoux qu'on s'approche du Nazaréen. Amen. Si tu veux... qu'on te bâtisse. If you want to be built up, dépouille-toi de toi-même. Strip yourself off yourself. Ne dis pas, frère, je reconnais que mon problème c'est la colère, parce que si ça vient là, je peux casser ta tête, parce que j'ai cassé la tête d'un camarade. Don't say that, brothers. If you want to build me, be careful, because when I get angry, I can break your head because I broke the head of my classmate. Dis, je ne suis rien. Say, I am nothing. Rien. Nothing. Dis, Seigneur, envoie des hommes. Say, Lord, send men. Avec des paroles qui sont comme des flèches. Send men with words that are like arrows. Pour me dompter. To tame me. On doit t'accoucher. You must be born. On l'a déjà dit, on ne devient pas disciple. We said that we don't become a disciple. Oui. Seigneur, donne-nous la capacité de prêcher un évangile qui accouche un disciple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans certains milieux, on ne prêche pas l'évangile. In certain environments, we don't preach the gospel. Les gens se disent, people tell themselves, si nous prêchons la vérité, if we preach the truth, les âmes vont se retirer. Souls will withdraw. Il n'y aura plus les dîmes. There will be no more tithes. Il n'y aura plus d'offrandes. There will be no more offerings. Et ils ont raison. And they are right. Quand nous sommes arrivés en 95, when we got here in 95, nous avons rencontré deux dames. We met two ladies. La première nous a rencontrés, on a prié pour elle, elle est partie. The first met us, we prayed for her and she left. On n'a pas prié seulement, on a prêché bien. We did not only pray, we preached the gospel clearly to her. Elle manifestait une certaine ouverture. She manifested a certain level of openness. Elle est partie appeler sa camarade. She went and called for her friend. Sa camarade me dit, her friend told me, prie pour moi. Pray for me, pour que mon mari me donne l'argent. So that my husband should give me money. Je vais prendre soin de nos enfants qui sont en Europe. I'll take care of our children. Our children were in Europe. Elle avait abandonné son foyer. She had abandoned her home. Elle vivait avec un monsieur grand de la ville. And she was living with a high-ranking. Elle avait des liens d'adultère dans les liens d'adultère. She lived in adultery with him. Je lui ai dit. I told her, si tu me demandais, if you asked me, que je prie pour toi, if you had asked me to pray for you, pour que tu rentres chez ton mari,
for you to go back to your husband's house. Et que vous deux, vous cherchez l'argent pour entretenir vos enfants qui sont en Europe. So that both of you look for money to take care of your children in Europe. Je le ferai. I'll do it. Elle s'est fâchée. She got angry. Elle a regardé dans la chambre. Notre chambre était, la porte était ouverte. Elle a jeté un coup d'œil. She looked into our room because our room, there was an open door. On avait un matelas neuf. We had a new mattress. Il n'y avait pas encore de lit. And we did not have a bed yet. Elle a vu le matelas. She saw the mattress. Elle m'a posé une question. Vous louez ici? And she asked me, are you renting here? Je lui ai dit oui. I said yes. Elle dit, quand tu auras faim. And she told me, when you get hungry. Tu vas changer de langage. You will change your language. Je lui ai dit que je préfère prier avec ceux qui vont nu-pied que de prier avec une bande de personnes qui ne craignent pas Jésus. I told her I prefer to pray with people who walk barefooted than to pray with a band of people who don't fear Jesus. Elle est sortie. She left. Longtemps après, je l'ai vue à Cocody. A long time later on, I saw her in Cocody. Je l'ai bien reconnue. I recognized her. Donc je me suis approché pour saluer. Elle m'a regardé. So I approached to greet her. She looked at me. Elle s'est détournée. And then she turned back. Longtemps après. A long time later. Donc ce qu'elle disait, so c'est ce qu'elle a observé. Had observed it. Elle a observé she que observed, les gens commencent bien. She observed that people start well. Quand ils ont faim, when they're hungry, ils changent. They change. On commence à les diriger. The people start leading them. Quand le frère Zach est venu plus tard, when Brother Zach came later on, je lui ai dit vraiment, frère Zach, merci beaucoup parce que tu prends soin de nous. On ne mendie pas le pain. Nous n'avons pas faim. I told him, Brother Zach, thank you for taking care of us because we don't beg for bread. We are not hungry. Et les missionnaires du frère Zach ne souffraient pas. Je ne connais pas un missionnaire qui n'a pas eu à manger. And Brother Zach's missionaries did not suffer. I don't know any missionary who did not have what to eat. Et c'est ce que nous faisons en Côte d'Ivoire ici. And that's what we are doing here in Côte d'Ivoire. Nos missionnaires sont bénis. Our missionaries are blessed. Ils ne mangent pas le riz avec l'huile rouge. They don't eat rice with palm oil. Et le sel et le piment. With salt and pepper. Oh éternel Dieu, un modèle est entré en Côte d'Ivoire. Et ce modèle-là, Seigneur, toute la nation doit suivre ce modèle. La formation des disciples. Père, je plaide que cette année 2023, que Seigneur et la communauté missionnaire internationale pratique la formation des disciples. Accorde-nous d'obéir. Accorde-nous d'obéir. Accorde-nous d'obéir. Nous plaidons, Seigneur, des disciples, Seigneur. Tu vas obéir. Tu vas obéir. Tu vas obéir. Nous supplions ta grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je veux te rendre grâce parce que tu as béni ton serviteur avec la capacité de demeurer dans la vérité. Merci pour cet évangile qu'il a gardé avec lui. Seigneur, c'était cet évangile qui pouvait nous délivrer, nous autres, car nous étions vraiment enchaînés, Seigneur. Et lorsque cet évangile m'a été prêché, Seigneur, tu m'as totalement libéré. Il fallait cet évangile vrai, cet évangile vrai, cet évangile vrai, que beaucoup fuient pour que je sois libre aujourd'hui, Seigneur. J'ai reçu un nouveau cœur, j'ai reçu un autre cœur, je ne suis plus le même. Que la gloire, Seigneur, te revienne pour l'évangile authentique que tu permets que notre communauté puisse prêcher au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand on parle de dirigeants, on veut parler de toi et de moi, de nous tous. When we talk about leaders, we are talking about you, myself and all of us. Si tu es dans une maison, if you are in a house, si c'est toi l'aîné, tu es le chef. If you are the most elderly one, you are the head. Si tu as un disciple, tu es dirigeant. If you have a disciple, you are a leader. Et pour faire des disciples, and to make disciples, la personne qui occupe la place de dirigeant doit pourvoir au modèle. Il doit consciemment pourvoir au modèle. The person who has the position of a leader must consciously provide the model. C'est pas facultatif.
It's not an option. Si tu es dirigeant, if you are a leader, ou si tu aspires, or if you aspire, à le devenir, to become one, fais des choses qui vont faire de toi un exemple à suivre. Do things that will make of you an example to follow. Fais-les consciemment. Carry out such actions consciously. Jésus a dit à ses disciples, je me sanctifie moi-même pour vous. Jesus told his disciples, for you, I sanctify myself. Ne fais pas ce que tu ne veux pas que les autres fassent. Do not do what you don't want the others to do. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Dis à toi-même. Tell yourself. Il faut que je sois un modèle que les autres peuvent regarder et suivre. I need to be a model that the others can watch and follow. S'il n'y a pas de modèle dans une génération ou dans une église locale comme celle-ci, il n'y aura pas de formation de disciples. If there is no model in a local church like this one, there will be no making of disciples. Ceci veut dire que tu dois te battre. C'est pour ça que Paul dit qu'il combat avec toute sa force. It means that you must strive. That's why Paul says he struggles with all his strength. Parce que ce n'est pas le jeu. Because it's not a joke. Pour être champion, les mondains font des exercices. To be a champion, the people of the world carry out exercises. Ils se réveillent tôt, ils courent. They get up early and run. Ils font des exercices physiques. They carry out physical exercises. Avant d'aller à des compétitions. Before going for competitions. Et ils remportent. And they win. Nous avons nos exercices. We have our own exercises. Nous le verrons la semaine prochaine. Nous avons nos exercices. We'll look at that next week. Nous avons des choses qu'il faut faire. We have our exercises. Au quotidien. The things that we must do on a daily basis. Nous avons une morale, un style de vie. We have a moral, a way of life. Nous avons une ligne de conduite. We have a conduct. Comment tu dois traiter tes dirigeants? How you must treat your leaders. Comment tu dois traiter tes frères? How you must treat your brethren. Comment tu dois traiter ceux qui sont derrière toi? How you must treat those who are behind you. Comment tu dois traiter les grands et les petits? How you must treat the great and the small. On n'invente rien. We are not inventing anything. Jésus a produit ce modèle. Jesus produced that model. Et nous imitons Jésus. And we are imitating Jesus. Et nous imitons tous ceux qui ont fait comme Jésus. And we are imitating all those who have walked like Jesus. De telle sorte que si quelqu'un t'imite, il sera béni. Such that if someone imitates you, he will be blessed. Il n'y a pas de formation de disciples sans modèle humain. There is no disciple making without a human model. Quand Jésus veut agir dans un peuple, when Jesus wants to act in the midst of a people, il donne à ce peuple des modèles humains. He gives these people a human model. Humain pourquoi? Parce qu'il ne donne pas les anges. Why il donne do we say humans? Des frères et sœurs de la même nature que toi. Because he does not give angels. He gives brothers and sisters of the same nature like you. Tu vois leur combat. You see their battles. Paul dit à Timothée, tu connais mes combats, tu connais mes résolutions, tu connais mes souffrances. Paul tells Timothy, you know my battles, you know my resolutions, you know my sufferings. Tu connais mes projets. You know my projects. Quand tu traverses des temps difficiles, when you are going through difficult moments, les autres te regardent. The others are looking at you. Comment tu vas gérer les temps difficiles? How would you manage your difficult moments? Ça devient pour eux un modèle. For them, it becomes a model. Si tu échoues, if you fail, ils n'auront pas de modèle. They will not have a model. Ils auront le modèle quand quelqu'un viendra passer cette épreuve-là. They will have a model when someone
would have gone through that trial and succeeded. Et c'est cette personne-là qui sera dirigeant. And it's that person who would be the leader. Aux yeux de Dieu. In God's eyes. Parce qu'il a traversé l'épreuve. Because he has gone through trials. Ta manière d'agir, de parler, de penser. Your actions, your speech, your thoughts. Va déterminer si tu es modèle ou pas. Will determine whether you are a model or not. Mais c'est un appel. What is it called? Être un modèle pour les autres, c'est un appel. To be a model for others, it is a call. Paul dit à Timothée, sois un modèle pour tous. Paul tells Timothy, be a model for all. Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Paul says, be my imitators as I am of Christ. Paul était conscient. Paul was conscious. Qu'il était devenu un modèle. That he had become a model. Comment a-t-il procédé? Il a observé le modèle de Christ. How did he go about it? He observed Christ's model. Et il a appliqué ça à sa personne. And he applied it to his person. Et il a réussi. And he succeeded. Je ne vois pas comment les gens peuvent prêcher un dimanche sans que un au moins ait prononcé le nom de l'apôtre Paul. I don't see how people can preach on a Sunday without at least mentioning once the name of the apostle Paul. Paul, 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 Paul. Paul, 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 Paul. Pourquoi? Why? Il avait décidé. He had decided. De se constituer un modèle. To make himself a model. L'apôtre Pierre dit, Christ a souffert, il a laissé un exemple afin que nous suivions ses traces. The apostle Peter says, Christ suffered and he left for us an example so that we should follow in his steps. L'apôtre Jean dit, nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Donc nous sommes en train de l'imiter dans l'amour. John says, we love him because he first loved us. So in fact, we are imitating him in love. Il est facile de découvrir à travers les Écritures que les premiers croyants imitaient Jésus-Christ. It is easy to discover in the Scriptures that the first believers imitated the Lord Jesus Christ. Même dans la relation conjugale. Even in the marital relationship. On demande de voir le modèle de Jésus qui a aimé l'Église. We are asked to imitate the model of Jesus as he loved the church. Un bon disciple de Jésus, a good disciple of Jesus, ne peut pas rater dans le foyer. Cannot ne peut pas fail. Échouer dans son foyer. Cannot fail in his home. Le modèle est dans la Bible. The model is in the Bible. La relation entre Jésus et l'Église. The relationship between God and his church. Si tu veux prier, lève-toi, tu pries. If you want to pray, stand up and pray. Seigneur, je supplie ta grâce. Que tu accordes à chacun de nous de se constituer des modèles, Seigneur. Et je prie pour moi-même. Oh, Seigneur, que je me constitue modèle afin qu'il y ait des gens qui suivent ma trace, Seigneur. Je prie pour toute l'Église, Seigneur. Nous sommes appelés à être des disciples. Oh, parce que nous sommes appelés à être des disciples, nous devons nous constituer des modèles. Et nous disons oui, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Et je viens supplier ta grâce, qu'à cause de ce que nous devons faire des disciples, tu nous accordes de prêcher l'Évangile qui amène les hommes à naître directement disciples, afin que nous puissions les bâtir. Je supplie ta grâce. Et je prie que quiconque est venu pour entendre l'Évangile, accepte dans son cœur l'Évangile de la repentance pour naître disciple en Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce. Ô Père éternel, pour ce modèle que tu veux restaurer, la formation des disciples authentiques, Seigneur Jésus. Et tu nous dis ce soir, Seigneur, qu'il n'y a point de formation de disciples sans modèle humain. Ô éternel, je prie au nom de Jésus-Christ que cette parole de ce soir, Seigneur, pénètre nos cœurs et transforme nos vies afin que chacun de nous, éternel, s'établisse en modèle, Seigneur. Nous te supplions
Oh, cette parole, Seigneur, qu'elle visite nos vies. Tu as fait que chacun de nous soit un modèle humain comme tu nous as donné des modèles. Seigneur, je prie que tu le fasses, que chaque brebis, chaque dirigeant, chaque ancien, oh éternel, que chacun se constitue un modèle au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you.